Salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui c'est un nouveau petit tutoriel sur le jeu Minecraft. Alors, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, je ne vais ni faire de gameplay ni vous montrer comment jouer, c'est plutôt comment le télécharger et l'installer. Donc, d'abord, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, Minecraft existe en deux versions. Donc, la version payante et la version dite craquée. Alors, je vais vous éclaircir un peu dessus. À la normale, ce n'est pas une version craquée. C'est une version que Mojang a autorisée, qui n'est pas payante, mais... Enfin, à la base, elle a été craquée. Mais maintenant, elle ne l'est plus. C'est plutôt une version gratuite, puisque vous avez plus de mal que la version que la version payante à rejoindre des serveurs officiels et tout et tout. Et vous avez moins de lag sur la version payante. Donc c'est juste pour dire, personnellement, moi j'appelle pas ça la version craquée, j'appelle ça plutôt la version gratuite. Bref, on ferme la petite parenthèse. Donc, pour télécharger Minecraft, c'est très très simple. Sur Google, vous tapez télécharger Minecraft. Oui, c'est mieux comme ça, voilà. Minecraft. Et vous tombez sur 0.net, donc le site qui vous propose. Il y en a d'autres, mais je vous propose 0.net. Je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc vous cliquez sur télécharger. Il y a écrit la version d'essai gratuite, hein, mais ne vous en faites pas, c'est une version, c'est juste que c'est la version soi-disant craquée. Donc, vous faites télécharger, vous l'installez comme tout le monde, hein, enfin comme tous les logiciels, acceptez, oui, j'accepte, et vous le retrouverez ici. Donc, à savoir que on va un peu plus explorer ce fameux Minecraft. Et moi ça marche pas comme ça. Mon pseudo sur Minecraft c'est le boy. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'un des premiers pseudos. Me demandez pas pourquoi. C'est l'un des premiers pseudos que j'ai utilisé sur ce jeu et sur plein d'autres jeux. Voilà pourquoi. Donc vous arrivez sur le menu de la version soi-disante craquée. D'accord? Donc normal, la version payante n'est pas comme ça. Hein. Elle est autrement. Je l'ai pas là mais elle est autrement. Donc. Pour mettre les mises à jour automatiques, vous cliquez toujours sur False Update. Et si vous cliquez sur False Update, vos mods, oui, disparaîtront. Mais votre version augmentera. Ça dépend en combien vous êtes. Donc moi je vais mettre non. Ici vous mettez vos pseudos que vous verrez dans votre jeu et sur les serveurs. Puis vous faites Enter Game. Ok. Alors. Oui, bon, en ce moment, ça fait un petit truc de Java, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est pas grave. C'est juste un petit tuto comme ça, hein, parce que j'ai des amis qui cherchent à télécharger, et c'est très très facile, hein. Donc, comme je vous le montre là, il n'y a pas de grosses installations à faire, ni de gros liens. Question légalité, c'est légal, ne vous inquiétez pas. Par contre, apparemment, on n'a pas le droit d'échanger les minecraft.jar, donc je ne vous conseille pas. Je vous dirai ce que c'est dans une prochaine vidéo. C'est là où sont stockées toutes vos données. Ici, vous avez les mods et tout le tralala. Donc, je suis en version 1.5.1. Donc voilà, ce mini tutoriel est terminé. Et puis, bah, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, mettez un petit pouce vert si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour voir les tout nouveaux tutos qui vont sortir. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao pour peut-être un nouveau tuto Minecraft. Ciao.